gens, c'est Tardarine. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3. Je suis toujours avec Katox, Atemir et Widomek. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Bien. Cette fois, je vais essayer de pas faire des conneries avec mes sorts, je vous promets. Arrête de me casser la gueule, je t'en prie, par pitié. Please, please, pretty please. Je suis notre tank des ennemis, pas de toi. Pas de friendly fire, pas de friendly fire. Bien. Eh bien, si nous ouvrions cette porte en bois délabré. Allez, on va laisser la place au monsieur qui parle. C'est vrai. On va laisser l'homme de charisme faire son travail. Ah bah oui. Il y a la bioc. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. Pendant que ça taille le bout de gras. Moi. Get to it. If it isn't the cheekiest pop of them all, you'd best have one hell's of an apology for me, young man. Genre. Oh ouais. Oh ouais, un petit poème, vas-y. Another bard who thinks humor is the same as talent. Cute. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door, but I think you and I could have a bit of fun together. Oula. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Keep that hole under your nose shut, or things will get messy. What is it? What's going on? That can't be true. Et paf. They were being rude, and I detest rudeness. You monster! The deal is off! Enough, away with you. Oh, il me faudrait ça dans mes classes. Ah ouais. Oula. Ouais, alors bon, maintenant je pense que c'est d'avis commun que Tati Essel, en fait, c'est Tati Daniel. Ok, c'est vraiment une... Ok. Elle est mignonne, on dirait ma grand-mère. Ah. Alors du coup, j'ai la nausée. Je suis vulnérable aux dommages psychiques et d'acide jusqu'au prochain long rest. Alors je vais faire une nuée de dagues autour d'elle. Ah ouais. Ouais. Alors attention, je suis derrière. Mets-toi derrière elle du coup, derrière. Ouais, non, mais je suis bien derrière elle. Mais pas toi, l'autre. Moi, je suis là. Oh. Est-ce que tu veux que je me déplace à côté? Non, c'est bon, je peux la mettre normalement là. Faites bien gaffe. Je peux me mettre là si tu veux. Non, c'est bon. Ah, quoi que tu veux, c'est vrai que tu peux. C'est... Le but c'est d'essayer de la coincer. Parce que tous les tours qu'elle reste dedans, ça fait quand même pas mal de dégâts. Bah, de toute façon, moi j'ai Sentinelle, hein, donc elle pourra pas se barrer. Hein. Hop. Ah, donc si elle se TP, ça marche sur les TP? C'est une bonne question. Oh merde, je peux pas lui mettre, tant pis. Oh merde. Il est sympa. Alors... ton bouclier là. Ouais, joli skin. Rien, il fait rien. Toi t'as un sort avec quoi, c'est ça? Ah si, ça route les ennemis. Ouais, ça, je peux lancer un sort pour tous les 3 tours. Sur une action bonus, je peux route un ennemi. Sur une action bonus, et ça c'est beau. Stylé. Ok, je vois le champ. Au prochain tour, Weird. Attends que je joue. Avant de le taper, je vais le faire tomber. Enfin, je vais essayer de le faire tomber. Ok. Alors, et du coup, pas. On fera des crits. Enfin, tu feras des crits du coup. Je vais essayer un truc. Ou t'as avantage, je sais plus. Oula. Bon, je sens venir le plan cul. Hein. Ouais, bon, après, moi je suis plus gros à ça près. Ce sera tout juste. Ah! Eh bah ben ouais, d'accord, la bouffe elle t'a vraiment Oh, ce TP. Allez. Bah ce TP où? Oh putain. Dans son espèce de cheminée là.
Qu'est-ce que quoi? Elle s'est TP en fait, elle s'est barrée. Ouais. Ouais. Ah! À travers la cheminée, j'ai l'impression. C'est ça, faut d'abord l'éteindre si on veut passer. Là-dedans? Tout ça. Ah oui. Ouais, ça continue. Oh! Deux secondes, il y a des trucs à looter. Ouais, ouais, attends, attends, ouais, mais... y a personne qui est en danger là. Non, bah. Vol va pas crever. Potion de communication avec les animaux. Ah, potion de guérison importante. Ouh, y'a un coffre là-haut. Ouais, y'a plein de trucs. Ouais, mille trucs là, les gars. Y'a plein de trucs à voler en fait. Là, on va encore se faire emmerder par les gardes. Ah, faudra faire gaffe. Est-ce que si on les. Bah, tout ce qui est volé, moi je. Tout ce qui est volé, je vous dis. Bah, si on lui bousille la gueule, est-ce que ce sera toujours du vol? C'est une bonne question. Parce que peut-être que si on touche à rien et qu'on. Je sais pas. C'est... Clé du salon de thé. On va revenir ici de toute façon donc. Bah, de toute façon, je crois. On va voler des trucs et on tout... teste après. Tout ce qui est petit pain et autres. Barrière arcanique là-bas, ça va être intéressant, je pense. Ouais, moi, je vous laisse looter, hein. Je vais pas toucher à quoi que ce soit, j'ai pas envie de me faire encore emmerder par les gardes. Bah, tout ce qui est provision. S'il y a un de vous qui peut faire un screen sur les objets volés pour voir à quoi ça ressemble le petit icône. Bah, moi j'ai rien, je vole des trucs, mais justement il n'y a pas les trucs. Bah, ça, que c'est volé, ça, on voit pas non plus donc. Donc, c'est que finalement il n'y a pas de problème. Ok, bah, moi j'ai récupéré. Bah, peut-être problèmes. Que c'est en mode barre arcanique, tu veux qu'on aille voir Arda? Je pensais le faire après, mais si on y va maintenant. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous avez dit les autres? Rien. On va voir la barrière arcanique. Bah, si ça donne un stuff assez sympa. C'est ouais, d'abord juste. Ah là. Oula. Ouais, j'aime pas trop ça. Hein. Non, c'est catastrophique. C'est... Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Alors. Attends. Vas-y. Tu l'as tripote là. Donc je. Ok. Ouh. Ouais. Ou... Mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai cliqué. Mais ma tête, t'as pas vu que tu prenais des dégâts? Non. Bah, oh, chacun sa petite boulette, hein. Je pense que la barrière arcanique, éventuellement, elle pourra peut-être. Ah oui, si. Une fois qu'on aura buté la vieille. La là. Meuf, on pourra aller là. Petit pirate. J'explore, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Bah, mettez-vous côte à côte pour vous faire votre petit. Votre petite étude de potion là. Bon. Oui. Ah, j'ai pas vraiment envie de dépenser des sorts, je vais pas te mentir là. Si jamais on l'affronte derrière, je préfère garder mes spells plutôt que de te soigner. Ah non, mais mon point c'était plus. Moi je t'avoue que j'aurais bien viré ma malédiction en fait. Surtout. Ah, jusqu'au long repos. C'est un peu ça qui est. Ah, bah je sais pas si. Merde! Je sais pas si un long repos, est-ce que. On peut déjà faire un court repos, voilà. Ce sera déjà ça. Je pense qu'on se. On va pas tarder à avoir des beaux problèmes dans ce. Après, on a quand même déjà bien défoncé. Hein. Ouais, mais je pense que. Ah oui, mais si on se repose, par contre. C'est à mon avis, si on se repose, ça on perd le bénéfice. Parce que si on se repose, nous, enfin, elle aussi, elle se repose. Donc elle va soigner des dégâts qu'on lui a fait. Allez, ça. Mais il y a un moment, je vais manquer de sort. Hein. Vous n'êtes pas tardé, moi je suis encore dehors. Attends, il y a plein de. Ah bah tu sais quoi en fait Attends, il faut que je t'envoie ça. Tiens, je t'ai envoyé des popos. À qui? À moi? Ah, t'es bien. Je crois que ça pourra lui servir. Il devrait en avoir bien besoin, ouais. Il avait pas genre 14 000. Bon. Moi je dis pas non. Je descends les escaliers. Non, parce que moi j'ai 7 propos de soins, donc si jamais vous êtes tous à plus de 10, bon. Pas moi. Attends. T'as combien, 7? T'as des gratteurs ou pas? Non. Non, j'en ai pas.
Je t'en laisse pas envoyer. Attends, bouge pas. Ah bah non, 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 vous, c'est pour ça, il y a tout le monde qui sort, qui répartit les popos de soie dans la joie et la bonne humeur, moi j'ai que dalle. Oh, bon, j'en ai pas gardé. Yes. Non, non, bah c'est bon, les mecs, une ça suffisait, hein, j'avais pas besoin de trois. Alors... qui c'est qui en a des grandes potions de soins, qui c'est qui en a pas? J'en ai envoyé deux, moi. Ouais, mais moi, c'est j'en ai... il m'en reste deux, moi. T'en as deux, toi Arda, t'en as deux aussi? Je t'en ai envoyé deux. Non, mais toi, t'en as combien? Mais j'en ai zéro maintenant. Ah, ouais, une ça me suffit, je vais pas, voilà. Ah, on y va en vue. Je sais pas. Tête de cochon. Ah, y'a un truc. J'ai fait un perception réussi, mais je sais pas sur quoi. Ou sinon... Oh oh oh. Oh mon dieu, elle est aussi belle que son humour est mauvais. Alors, je pense que si t'as fait un jeu de perception, c'est pas par rapport au crâne, si t'es à côté du crâne, ou du miroir. Ah, peut-être. Et attends, pousse-toi, Manuia. On va tenter un truc. Attends, ça... Ok, d'accord, y'a quelqu'un qui est emprisonné dans le miroir, j'ai l'impression. C'est ça, je voudrais tester un truc. On a rien fait. Attends, je vais voir puisqu'on parle au miroir. Ah bah ouais, le miroir il marche plus. Comment? J'ai pas l'impression que... Ah non, c'est juste que... Tu crois qu'on peut le casser? Ouais, dans vas-y, hein, vas-y, hein. Ouais, mais une sorcière, casser un miroir, je sais pas. Ok, bon. Il y a une âme qui s'est libérée, hein. Ça fait plaisir. Et l'autre, là, qui tient sa tête... Oh, il y a un nain. Ouais, il y a un nain pétrifié... Il y a un portrait de famille, il y a des trucs partout là. Attends, mais la personne là qui tient cette tête dans ses mains là. Je suis en cinématique si jamais. Ah, pas de cinématique, ça m'intéresse. Bah tout le monde est en cinématique. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, dismembering him painstakingly, limb by limb. She cackles, the man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the flame. Ouais. You feel it cry. C'est sympa. C'est vraiment une saleté, hein. Appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. Ok, donc ça doit être la porte pour aller au boss. Hein. Donc je vous propose de se barrer. Et de découvrir. Bah non, mais je sais pas s'il y a pas d'autres trucs dans la pièce, tu vois. Là où vous êtes, il y avait des trucs, j'ai l'impression. Donc, Ah oui, oui, il y a plein de trucs. Hein. Voilà, donc finissons ici et la porte c'est pour la suite. La tête là, il y a peut-être une personne qui tient sa tête. Ouais, je sais pas, tu peux lui parler, mais elle fait rien.
T'es en conversation, Katox? Je vois que t'as un... Tu m'as l'air un peu au fond. Bah, j'ai une potion qui enlève l'effet pétrifié et je vois le nain qui est là. Il y a le portrait de famille à côté. Ouais, bah, en gros, il voulait que la maladie, machin. Et bah, vas-y, dépétrifie-le. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Oh, nice, ils y ont pensé. Oups. I have the bloody bait. Ludwig was bait. The petrification stopped it spreading. Oh no! 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 Oh God! No! Ah! Help! I don't want to die. Oups. Mais au moins on peut le loot. C'est génial. Que du stuff de merde. Est-ce qu'on parle à l'elfe, hein. L'elfe aveuglé? Achat de main, ouais, c'est vraiment naze quoi. Bon, maintenant qu'on est en train de buter la moitié des gens, peut-être qu'on peut continuer hein. Ouais. Ah. Non. Moi, ah oui, elle était morte. Alors, pourquoi vous voulez trouver la guenaude? C'est logique. Ah ouais, quand même. Pas littéral, cette sortie. D'accord, d'accord, c'était très utile. Donc il nous reste un type plus loin. Il y a un. Il y a un. Comment on appelle ça? Un sablier et un bonhomme. Il y a des masques. Il y a un bouclier dans le mur aussi. Donc on peut le. Ah non. Ça me met. Utiliser. Ah non mais la porte on s'en fout. La porte c'est la suite ouais. Bah ouais mais elle est pas. Non mais enfin il faut finir de lui parler mais on n'a pas causé à Lorrain là. Ok d'accord. Parce que je sais pas si ça ouvre pas directement le combat en fait. Pourquoi t'as Bane sur toi, Katox? Je sais pas. Je sais pas, peut-être bah, quand le miroir, j'ai... Non, c'est pas ça le miroir. Bah, ce serait peut-être ça. Bon, vu qu'ils ont pété un miroir, ça me semblerait logique que ce soit un effet de péter le miroir. Vous voulez parler au Kiki là ou... Oui, j'attendais une personne charismatique. Ah. Pas regardé, jamais regardé. I see it. I see what's to come. You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Me. Dead. Dead. Flesh rotten, bone shining. Oui, il a demandé d'avoir l'avenir, ben il est mort. Quelle logique.
never see. Never. Gods, don't hurt me. Oh, please, 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 please. No, no, monster. For mind dripping, flesh peeling, mind flayer. Ah, c'est trop bien. Ok. Il y a des masques murmurants. Il y en a 4. À quoi ça sert? Je sais pas. Ah, c'est peut-être pour passer la porte. Bah je l'ai mis, mauvaise idée je crois. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. C'est un mauvais bail. Ne mettez pas les masques. Ok. Bah moi, c'est je vais le la porte elle fait un truc chelou. Elle est pas devenue un genre un peu éthéré pour vous? Si, si, on peut passer à travers. Ah, mais c'est quand tu mets le masque. En fait, tu mets le masque, tu peux passer au travers. Ah, moi je peux passer au travers. Ouais, non, j'ai pas mis le masque et je suis passé au travers. Non, mais moi j'ai le masque, ouais. Donc vous pouvez passer au travers et. Je l'ai enlevé depuis. Voilà. Et je pense. Je faisais des sauvegardes contre Ephemeral Whisper. Je pense que ça pouvait. Je pouvais devenir méchant ou je sais pas. Attends, là je suis repassé de l'autre côté. Ouh là, il y a des ennemis. Non, non, je peux pas. Non, non, mais il n'y avait pas besoin en fait. Hein. Là, je suis passé à travers. Alors, laissez passer mon petit gars. Ah oui, il y a plein d'ennemis effectivement. Ils sont un peu partout. Nombreux. T'as passé en fufu, c'est chaud. Ah bah, allez, let's go. Bah avance pas trop vite, comme ça au moins je peux me faufiler derrière eux. Attends, moi aussi je vais... Mais ils ont tous un masque en fait. Vas-y, je vais aller derrière celui-là. Moi. Comment ça, Miss? Moi je suis derrière un, je sais pas pour vous. On est parti là, vous êtes en place? Allô? Moi je suis good. Attends. Je le laisse gâteau. Je vais me mettre derrière un truc là. Ah, il est 23 quand même. Ah, ils ont 23, ils ont 23 PV quand même. Attends, passe pas ton tour, hein. Passe pas ton tour. Non, non, tout va bien. Bon, moi j'entame. Le temps que Arda ait décidé de se mettre en place. J'entame le mien. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Je me place en hauteur. C'est bon, t'es placé? Je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, go. De toute façon, comme je suis en combat déjà, vous allez pouvoir, vous pouvez attaquer sans problème, ça avancera pas. Truc. Non. Ouais. Alors lui, il a renvoyé l'appel dans le sol. Lui, je le sens vraiment pas là, avec sa masse. Je pense que je vais le focus. Alors là, il y a Atemir qui doit jouer. Là, j'attendais que vous passiez, vous fassiez vos trucs en fait. Je t'avoue. Vous m'avez. Ah bah très bien, allez. Hop là. What? Ah merde, c'est pas ça que je devais faire. Alors. Je crois que je vais faire. Je vais finir celui-là. Ah bah non, je peux pas jouer. Attends, vas-y, je vais essayer de. Tiens, allez. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah, je vais pas le taper. Hein. Ah, je pense qu'il faut le taper à distance celui-là. Ouais, hein. Ouais, le masque de vengeance. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, fait le focus, lui. Ouais, parce que je lui ai mis 2 points de dégâts, il m'en a foutu 10 dans la gueule. Oh, ah, oui, d'accord. Ils ont un healer. Ok, bon, bah, le masque de la servitude spell. Je vais le buter.
Oh, quel play. Save, allez, vas-y, faire foot. Oh, parfait, il sera plus drôle à, à push. Bien ça. C'était beau ça. C'était très très beau ça. Il est mort. Oh, c'était la violence. Après, c'est suivante. C'est pas trop pété hein. Franchement, moi, comment... bon, c'est un peu. Comment dire. Non, ça va. C'est tranquille. Ouais, un petit nid de tranquille. C'est tranquille. Moi j'avais lu. Ouais. Il faut vraiment prendre la voie de l'ombre parce que c'est mieux machin. Ouais ouais. La voie de l'ombre. Hein. Qu'est-ce qui m'a fait? Il a essayé de te faire une malédiction de regret. Mais il a raté. Ouais. Pourquoi ah, moi j'ai pas courage, pris là pour aveugler? Ah putain, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah j'ai des avantages sur le mec. Sur celui qui est en face de toi? Ouais, non mais non, pour tout le monde. Quoi? Je sais pas, il y a un des deux là qui m'a foutu dans la gueule donc. Oh punaise, j'ai pas réussi à le finir, il a deux PV. Je peux faire ça moi si jamais. Vas-y, attends, on va tester. Bah voilà. Bah voilà, ah, c'est bon. Réglé. Ça règle le problème. Reste plus qu'un. Ouais, je suis avec Katop. Non. 55 seulement de chance. Oh, ça va à rien. Ah, moi je suis à 20%. Ah, je l'ai eu quand même. Ah oh non, je l'ai loupé. Ah, bon, voilà. Bon. T'as bien cramé lui. Là, je pense qu'un petit repos long, ça serait bien. J'ai plus de sort. Ouais, je pense. Pas grave. Ah, ben, moi j'ai conservé mes sorts. Bah oui, mais moi je. dire. Non, mais même, enfin, tu vois, Katox, il est maudit jusqu'à je sais pas quand. Moi, je suis maudit jusqu'au prochain repos long aussi. Mais attends, pourquoi toi vous êtes en dommage non létal? Ah, mais moi aussi. Il y a quelqu'un qui l'a activé, je pense. Ouais, je l'avais activé pour voir si on pouvait pas en assommer un pour lui enlever son masque et qu'il nous raconte des trucs. Ah! Ah, ils sont tous marrants. Ouais. Apollon, du coup, là? Ouais. Bah, vous voulez pas qu'on avance encore un... Là, je sais pas, Arda, il a plus de spell, en fait. Ouais, mais je vois plein de poisons ou autre, vous voulez pas qu'on avance, comme ça, si jamais on... Bah, je viens de faire une sauvegarde, comme ça, on verra un peu. Oh bon. De toute façon, bon, la vie. Les vapeurs toxiques. Elles sont partout, les vapeurs toxiques. That look like a trap. Est-ce que je pourrais pas les dissiper avec un peu de brouillard? Non, vu que c'est un. Ah, bah attends, moi j'ai Gust of Wind si jamais. On peut pas balancer une boule de feu dedans, voir ce que ça fait. Après, sinon, si tu veux que je balance une boule de feu dedans, je peux balancer une boule de feu dedans. Par contre, éloignez-vous! Marche pas. Ça ne fonctionne pas. Bien joué. Oh. Là, il y en a un autre. J'ai fail en perception. Là. Là, on peut sauter ici, mais on va se faire extrêmement mal. Si t'avances un tout petit chouïa là où j'étais, peut-être que tu fais le jet. Ah, le truc c'est que je peux pas disarmer de loin comme ça.
Moi, je faudrait des objets à poser dessus en fait. Est-ce que j'ai tout que je peux poser? Non. Attends. Non, j'ai pas d'objet. Est-ce que. Je tente un truc. Qu'est-ce que ça fait? Je les disarme le piège. Je me suis mis sur le truc. Ouah, fallait faire 30! Putain, j'ai fait 26. Attends, t'as sauté dessus et. Bah, c'est moi l'objet qui empêche le truc en fait. Ah, d'accord, donc faut qu'on descende alors. Ah, ouais, yes. Mais là vous avez marché sur le feu, les gars. Moi j'ai marché sur la vente, vous avez marché sur le feu. Allez, tu vas me laisser là tout seul avec le feu. Attends, mais j'ai 2 PV, hein. Je vous avoue, là ça commence à être chaud. Hein. Tiens, Mimir, viens par terre. Débarrer de l'autre côté. Ouais, rapprochez-vous, vu que j'ai encore un sort level 2, je peux vous mettre une prière. Attends, mais moi je comptais mettre une potion par terre. Ah oui, mais faut qu'on fasse ça avec Katox, mais il est parti à l'autre bout du monde. Après, Katox, ah oui, c'est Katox. Mais t'étais parti où, Katox? Bah, j'étais parti sur le chemin, par en dessous. Bah non. Ah bah non, t'as pas suivi le chemin, c'est là où on est. T'es où? Ah oui, d'accord, t'es... Oh, oula, ça a l'air de bien se passer en plus de son côté. Je n'ai que ça. Faut sauter là parce qu'il y a un piège là, juste là. Voilà. Ça, c'est bien, ça me met mort si jamais chaud dans le. C'est vrai, tu perds des PV? Non, mort. Genre mort. Moi, j'ai sauté des PV et je suis pas mort. Genre tu sautes là et ça te fait. Mais ça t'as fait pas besoin. Bah, tu descends les racines noueuses. Ah bon, bah voilà. Bon alors allez, attends. Petit repos long là parce que vous êtes tous en PLS les gars. Attends, voilà. Non, mais. Non, mais t'emmerde pas, on va faire un repas. Enfin... J'ai encore des soins, donc on peut ça continuer. Je n'ai plus de sorts. On va faire le repos long après avoir passé la zone avec les trucs. Ça me semble un peu logique que s'amuser à se soigner. Mais on y est déjà en fait, on y est, il n'y a plus de piège là. Il suffit juste de marcher. Hein. Non, c'est l'arène du boss derrière. C'est là, c'est une arène. Oui, après c'est le boss. Hein. Bah sauvegarde, je te parie. Je sais pas ce que je te parie, mais je te le parie en tout cas. Ouais, là, je suis d'accord pour qu'on fasse le repos long maintenant. Qu'on le fasse avant le saut ou maintenant, ça changeait rien. Il y a encore des pièges, hein, faudra faire gaffe. Repos alors. Allez. Vous ne pouvez pas mettre un terme. De quoi? On peut pas. Ne pouvais pas mettre un terme à la journée. Mais oui, mais il faut qu'on remonte. C'est sûr. Katox, reviens. Je pense que toute l'instance de la Guenaud, à partir du moment où on a fait les. Allez, on a fait les types avec les masques, etc. C'était. Considéré comme une dangereuse. Non, mais je pense que là où on est, ça suffit. Hein. C'est faux. Non, ça ne marche pas. Hein, c'est toute l'instance avec les gars en masque, etc. Donc il aurait fallu faire ça avant de descendre. Peut-être. Oui. On en avait pas. Bref. Ok, bon bah. Ouais, qu'est-ce qu'on tente? Attends, parce que du coup, dans ce cas-là, moi je peux recharger la partie où on est tout en haut, se péter le cul à tout remonter. Enfin, je veux dire. C'est comme tu veux. Faire ça ou après, parce que là on devait quand même affronter les mecs au masque, donc ça sera toujours ça de prix. Ah non, c'est la partie se sauvegarder juste avant le passage quand on était en bas. Attends, c'est pas là, c'est là. Vous êtes passé par où? Tiens, bah c'est bien, du coup j'ai vu qu'il y avait un coffre. Je sais même pas par où vous êtes passé. Bah là il y avait un coffre. Bah on est remonté par là où on est arrivé. Bah sauf que je suis pas arrivé par là où vous êtes arrivé vous. Attends, j'arrive, je vais te chercher. Alors. Remonte par l'échelle, traverse. Saute par dessus le miasme. C'est... Vas-y, la monte. T'as des lianes qui remontent vers les vapeurs toxiques. Jump ici.
jump. Et après, bah. Mais à qui tu parles, Atémir? À la porte. Essaye de ressortir. Ouais, mais en fait, si tu veux sortir, t'es obligé de mettre le masque en fait. Y a pas moyen de. Non, c'est parce que j'ai le masque sur moi que la porte elle est comme ça. Mais non, ça tu. Non. Vas-y, ouais. Retire-le. Je peux pas lui parler à cette porte. Ah, si, non, mais c'est parce que t'es dans la porte là. C'est si tu vas plus loin, la porte après elle s'enlève et tu peux plus passer. Ouais, on peut toujours pas faire de repos long ici. Bah je sais pas pourquoi vous pouvez passer, mais moi je peux pas. Il faut juste que tu mettes ta caméra derrière la porte et tu peux passer. Comment ça? Le truc c'est que si tu mets la caméra derrière, tu peux traverser la porte. Ah, l'arnaque. Already en use. Bien, et maintenant... Voilà. Pas un truc à deux, là. Eh hey, le clips. Non, moi ça clip, mais les persos ils sont en train de... Attends, non. Putain. T'es en train de parler au toutou? Bah oui, mais il faut que je relance le sort. Ah, c'est tous les jours que tu le lances pour le long rest? Ouais. On pète le dogo, mais je suis qui le meilleur dogo. Oui, gros dogo. Good boy. Il a l'air d'avoir un chouette poli. Hein. Il est tellement en train de crever, notre pote là-bas, là, ça me fume. Allez, on est reparti, on redescend, youpi. Est-ce qu'on n'essaierait pas de choper des trucs à balancer sur... Non, rien du tout, on va la défoncer, elle est nulle. Non mais bon ok. Je pensais pour éviter les trucs de poison, mais... Ça va le faire. Ah quoi, on peut prendre quelques caisses et autres. Ah oui, voilà, c'était à ça que je pensais. Je sais pas si je vais essayer de prendre des caisses, mais je... Attends. Alors, où est-ce qu'il y aurait des caisses? J'ai trouvé un vase. Vas-y, ouais, je. Non, je peux pas. Une grande bouteille. Est-ce que vous pensez que les. Les paniers ça marche? Ouais, je pense bien. Ça serait drôle. Vas-y, je vais essayer de prendre des paniers. Je sais même plus comment on fait pour les taper dans l'inventaire. Ah non, je peux pas. Ok, ça je peux. Je vois vapeur toxique, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a des poisons. Vous avez pas tout looté. Bon voilà, non mais vous avez pas besoin de caisse, hein. Genre franchement... Non mais toi tu jumps à 14 mètres, on a pas tous cette puissance. Mais trop pas. Le jump c'est la force.
J'ai autant de force que toi. Alors vraiment, y a pas de saut à faire quasiment. Hein. Enfin, pas de le saut très long quoi. Ah, moi j'ai un baril, hein. Si avec ça j'ai un baril d'eau, peut-être que ça va. Et en vrai, il y a juste un endroit où faut foutre un truc à la limite si vraiment vous avez peur, mais. J'ai pris un truc. Bah c'est vrai que si on peut éviter de perdre le maximum de PV possible. J'ai pas lancé un truc, mais visiblement je l'ai pas mis au bon endroit. T'es où ? Non mais là tu vas là. En fait vous marchez dedans, mais vous êtes pas obligé, c'est ça que je comprends pas. Où est-ce que vous êtes là ? Pour l'instant je suis encore en... Ah oui, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas votre vue à vous. Ok, voilà. Là vous sautez là. Voilà. Là, à la limite, il faut mettre un truc ici. Si vous avez quelque chose à lancer, c'est là qu'il faut le mettre. Et si vous pouvez pas le mettre là, bah ça sert à rien. Parce que c'est la seule vente qui... Je vois pas où sont les... Là, là. Il est là. Le truc qu'il faut mettre, c'est là. C'est marqué trop haut. Voilà. GG. Et après, t'as même pas besoin de sauter. Genre, tu marches juste, tu prends la vigne. Après tu cliques sur le pont là-bas parce que sinon tu marches dans la fleur sans faire gaffe. Et là je sais même pas si il va falloir jump quand même. Ouais, tu jump là. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une bouteille d'eau sur lui? Ouais. Non. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? On en aura besoin. Ah bon? Pourquoi? Pour empêcher que Marie machin et Clams. Ah bon? Ouais. Ah bah sinon un couteau de glace, on peut pas le faire. Un quoi? Un couteau de glace. Un couteau de glace, non, à moins que tu veuilles la tuer. Bah non. Bah c'est quoi? C'est pour du feu que tu veux? Oui, pour éteindre le feu. Les sorts de glace, ça peut pas éteindre. Tu veux vraiment que je gaspille un sort alors qu'on peut balancer une bouteille d'eau? Bah, je sais pas si t'avais un. Comment dire, si t'avais un pare-chaud ou quoi que ce soit. Non, oh, j'ai filé tout. Attendez, je trouve que. Y'a une discussion là. Ouais. You come to my home, interfere in my business, and now have the gall to face me in the heart of my lair. You petrol, I'll rip your spine out your asshole! Nice. Alors, et pour lui balancer un sort d'entrée de jeu. Stop it! Please, let me go! Oh, mais ta gueule, enfin tais-toi. Ah, attendez, je vais essayer de faire un truc, moi. On va voir si ça marche. Voilà, déjà elle a foutu le feu à la cage de Marina. Donc si on veut la sauver, il faut éteindre le feu. Alors je dis silence, je sais pas voilà. Si... C'est bon? Ah t'as mis une zone de silence? Ouais, ouais je les silence parce que je me dis oh, nice. Comme ça, vu que... Elle moi dès que vous la recoincez au corps à corps, je tape la nuit de deck, ça fonctionnait bien. Contre... En fait tu bloques le passage. Du coup on peut plus passer. Ah. Oui, je peux pas sauter, je peux pas. Parce que du coup, moi j'aurais pu sauter, mais. Enfin, bah, j'aurais pu passer en sautant, mais là, du coup, si je passe là, en sautant, j'ai pu. À gauche, t'as pas le non, passage. Non, je peux pas passer. Ah merde, ah putain, désolé, je pensais qu'il y avait la place. Le seul moyen, c'est de sauter, mais du coup, si je saute, j'ai plus de. Non, c'est pas grave. Ah, mais vous avez glacé le parterre, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, je fais la nuée de dague, on est bien d'accord. Bah, dans son dos, peut-être, comme ça évite de ce qu'elle s'échappe. Bah, ouais, c'est ce que je fais. Oh, elle va se téléporter, hein. Ah, oui, oui. Bah, non, mais là, je les silence, donc je sais pas si elle peut ne pas se téléporter, en tout cas. De toute façon, si elle peut. Si pour se téléporter, elle doit bouger, elle pourra pas bouger. Bon, pire, écoute, on va faire ça. J'en viens de lui retirer quasiment 20 PV.
Voilà. Faut qu'il passe ton tour. Ouais, bon. Ah bah elle est censée faire quelque chose. Ah, ah oui, il y avait ton arme spirituelle dans le tas. Ouais, ça peut être cool. Ouais, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Mais c'est vraiment bien, bah c'est là, genre elle a réussi et toi t'es là, non. Dès qu'elle va se taper un dégât, en gros ça va lui faire des dégâts supplémentaires. Tiens, ta gueule. Dégage. Elle devrait passer un bon moment là. En étant par terre. Sauf qu'elle va pas, elle est pas très en forme là, 32 PV. Non, elle va pas passer un bon moment, c'est moi qui te le dis. Hein. Puis surtout, nous on a avantage quand elle est par terre. Bon, par contre, je crois que vous, du coup, c'est des avantages, non? Ouais. Non, moi je suis en avant. Oh, ah oui, non, d'accord, elle a non, mais à distance. À distance. Ah bah oui, bah là, autant dire que là, elle passe un mauvais moment. Hein. Ah, je pense que de toute façon, elle va crever à ce tour-là. Hein. Il lui reste 18 PV. Bah en gros elle va se lever, elle va vouloir bouger et elle devrait crever je pense. Bah, mm-hmm. Avec l'arme spirituelle plus Ouais. C'est... Ouais voilà. Je pense il lui reste avis, 5 PV. Voilà. Ça bougeait pas. C'est ça, bon. C'était le. Ça c'était un combat de boss comme on les aime, facile. Y'a quoi dedans? Ah, ce que je me dis techniquement, bon. Moyen qu'une sorcière, si tu lui coupes le verbal, ça puisse la faire chier. Ah bah là, clair. Tu veux que j'aille lui parler? Ouais. Attends, je te mets des coups. Attends, je pense que. Hop. Ouais, c'est. Hey. Ah, c'est l'orbe de contrôle. Je vais aller lui parler. So stupid. How could I have trusted her? I almost gave that monster my child. J'aimerais un peu moins de pleurs et plus d'or, s'il vous plaît. That's génial. Going to bring him back, bring Connor back to life. Mm-hmm. Ouais, c'est ce qu'on dit. Prévenez-moi quand vous aurez fini de pleurnicher. Le mec sans cœur. Bon, cela dit, ma réponse elle est pas mieux. Hein. Oh, bah oui, mais après, faut lui. C'est aussi la vérité quoi, la meuf. I have nothing, alright? Ethel promised to raise the child, teach them magic, give them a good life. It's a damn sight better than oh, vu ses vêtements, ça va, elle a pas l'air d'être dans le besoin. I just wanted everything back. Back the way it was. It's my own fault for letting her. Look, I don't like owing people. Here, this socket is worth some coin. La première réponse, quoi. C'est mieux que rien, j'imagine. Non, ne lui laisse pas. Je sais vraiment pas entre être un enfoiré ou être un connard. Oh, un enfoiré. My husband gave it to me. I should take him home.
His coffin is just upstairs. A decent burial is the least I can give him. Par contre, sa frère, elle a oublié. C'est pour ça, franchement, West Meux, j'ai pas vraiment d'empathie vis-à-vis d'elle, parce que ses deux frères se sont fait buter parce qu'elle voulait ramener son mari à la vie. Bon, bah, vas-y, hein, pense à ta gueule. Alors, médaillon de Marina, ok. Et... bah, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a looté sur la vieille mégère, déjà? Reloque terni. Truc, ça vaut 1 PO. Ça vaut 1 PO son collier de ses morts. Eh ben. Ouais, je te jure. C'est pas foufou. Bombe de limon inflammable, bombe de limon empoisonnée. Ok. J'ai une rapière pour qui n'en veut, un arc long, une potion d'invisibilité. Et une breloque ternie. Y'a un stade de dingo là, j'ai l'impression. Un truc orange. Ouais, bâton de légère. Bâton de légère parce que. Ah, tu l'as eu juste derrière. Ah, vous m'avez pas attendu, d'accord. J'étais en train de regarder l'inventaire, vous allez continuer. Le bâton des mégères, normalement, c'est le truc qui permet de ressusciter les morts, si je ne m'abuse. Je vais aller vous dire ça tout de suite. Les trois fous qui sont en train de... Oh, ça me donnerait rayon empoisonné. Oh putain, il y a plein de trucs qu'on peut boire et tout. Je suis sûr que tu peux faire des cocktails de taré. Ouais. Tout ce qu'on vient de ramasser, les gars. J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il est plus intéressant que le bâton que j'ai. Et un cercle de champignons, vas-y. Laissez-moi aller dans ce cercle de champignons. Je vais m'en équiper. Oh, 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 c'est pas très beau le bâton de la mégère, mais... ça sera sympa. Orange, c'est mieux que vert ou pas? Oh bah c'est une way out, c'est facile. Ouais, un orange c'est mieux que vert. Nickel. Nickel. Je suppose que vous avez fini de tout looter. Ouais. Moi j'ai vraiment envie de boire ce que un truc s'appelle le temps perdu. Ah, et là, le cercueil. Connor Vinderwald. Cercueil vermoulu, pierre tombale. Hop. What? Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait. Allô? Je sais pas. Je sais même pas contre qui on est en combat. Contre Marina. Ouais, mais elle est où? Attendez, Ah putain, on peut même pas la sauver. Ah bah attends, bah elle est où? Bah elle est derrière toi. Elle est là. Ah bah je la vois pas. Je la vois pas moi. What? Pour moi elle est pas là hein, moi elle est quand je clique elle est dans la cave, c'est pour ça que je me suis fait tiens. Bon, heureusement ça a sauvegardé un peu avant je pense. Je peux même pas bouger. Voilà, on va bah faire moi ça. Je vous vois tous en train d'attendre. Enfin, et là c'est à Temir de jouer, et après c'est à elle, et après c'est à... On va faire ça. Ah, t'es sérieux? On avait sauvegardé avant? On a sauvegardé oui, juste au moment avant de récupérer les potions. Ah. Donc ça va. Putain, ça c'est malin, champion. Bah oui, mais si je la vois pas, moi je la vois pas, moi, c'est ce que je te dis. Katox, t'étais en dialogue là ou pas? Non, il y avait rien, c'est juste un fight. Ah si, t'étais en dialogue. Non, avant, t'étais en dialogue. Avant? Ou pas? Bah non. Avant le fight, t'étais rentré non. En dialogue avec la meuf ou pas? Non, bah rien. Bah pourtant je t'ai vu en dialogue. Bah moi j'y étais pas. Hop, le petit bâton, c'est pour Bibi. Ah ouais, tu veux que je te file toutes tes potions avec des noms de merde? Parce que moi personnellement je vais pas les boire, donc si tu veux t'en jaillir un peu. Vas-y, fais péter les boissons. Attends, mais ça se vend ça se boit pas. J'ai le bien. Ça se vend, ça se voit pas. Bon, ça vaut un PO, mais ah, franchement... Ah, ça y est. Là on voit Marina. Et vous la voyez pas quand vous étiez passé là? Non, on la voyait pas. Parce que en plus de la voir, moi là je suis passé là, j'ai vu un Katox -5. Ouais, c'est ça. C'était la même.
Et après, elle nous a attaqué. I found a wand, I think I can. Non, let's ça clairement go. Je vais. Non, parce que non. Ça, ça va lui donner la baguette, certainement pas. Mais ça va tellement pas lui donner la baguette, tu vas essayer de le ressusciter, on va le buter. Au pire, on la tuera. Voilà. Bon, allez. Ça va faire un vieux squelette de con. Hein. Mais non, mais. Ouais, ça sera le plus long cul, quoi. Je crois que je t'ai donné une mauvaise idée. Ah, bien sûr. Vas-y, do it. Au pire, ça fait de l'XP. Exactement. Ah bah. Oh putain. Ouais, ça, c'est évident. Djalugiri. Well, hello. Dis-moi qu'il se pète la gueule. Yes. Et là, tu tues la femme avec son mari ressuscité en zombie. What have you done to him? Oui. Le fumer, hein. Bon, ça a l'air un peu traumatisant pour la femme, mais je pense que c'est pas plus mal pour elle. J'ai bien, personne n'est d'accord. Ne vous en faites pas, j'ai la baguette, je vais lui trouver une utilité. C'est horrible, mais je pense que je vais faire ça. T'es vraiment les pires connards. Hein. Ah ouais, alors là, franchement. Elle est. Non, mais. La vie est bon en même temps. Mais non, mais on va le fumer, on va pas garder cette merde. Et je la vois toujours pas. Je l'ai loupé, je suis deg. Tu voulais buter la femme? Je l'ai tiré dessus, mais je l'ai loupé. Oh Dieu. Qu'est-ce bon, que vous dites? Ah bah c'était là l'Arcane Ward de tout à l'heure en fait. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, il nous dit. Ouais. Ça reste l'heure de la pause ou pas? C'est l'heure de la pause, effectivement. On va pouvoir s'arrêter là sur cet épisode. Sur un combat, parce que Atemir a décidé que casser des bouches c'était sympa. C'est bon, c'était rapide. Ça fait toujours 3 points d'XP. Non, mais c'est bon, on va pas le laisser vivre. Bien, j'espère que cet épisode plein de douceur et d'amabilité vous aura fait plaisir. Le temps on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut.